Station F6. Salut tout le monde et on se retrouve pour une grande vidéo de StarMed, cette fois-ci en compagnie et toujours surtout en compagnie de Taek. Il est où le petit Yvon? Il est là et il a cheaté, il peut voler. Ouais, il a mis un pudding, il se prépare pour voler. Non, je ne sais pas comment. Bah, explique comment tu fais, c'est un petit bug. Je sais pas, en fait. Ouais, je suis tombé dans une faille, quand on remonte, enfin, je suis tombé dans une faille en dessous, dans l'espace, et quand on remonte, bah, on garde le vol, en fait, tout simplement. Ça peut être utile, là, pour ceux qui veulent construire sans se prendre la tête. Voilà, donc, et je crois que Vibe a quelque chose à nous présenter. Ouais, on a commencé, enfin, on a, je dis bien, on débute dans le système de factory, donc ça permet de créer des blocs un peu pour les feignants ou si dans les shops il n'y en a plus. Donc je vais vous montrer là, ce qu'il faut c'est que j'ai mis de la couleur blanc et normalement il faut des hulls de couleur grise et ah, la oui. recette. Mais pour la recette il faut 5000 blocs, donc on les a pas encore parce que nous on va faire des blocs blancs. Des blocs blancs en fait, donc il nous faut 5000 blocs blancs et une fois qu'on aura ça, je sais pas qu'on peut vous montrer, on est dans le shop. Et alors, quand tu vas dans le shop. Attends, j'essaie d'aller dans le shop. Comment on va dans le shop? I. Ouais, I. Shop. Va dans Hull. Tu cliques sur n'importe quoi. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Non. Des blocs. Et Baya. By Recip. En fait, c'est que. En gros, c'est un récipient ou je sais pas ce que c'est. Ouais, by Recip. Voilà, by Recip. En gros, c'est la recette de la chose. Et quand on clique dessus. Et bah ça nous permet de produire la chose, donc ça a certes un coût. Il nous en faut 5000, c'est pas payant en fait, c'est juste 5000. C'est pas payant, ouais. C'est chez moi ce point-là. Donc voilà, il suffit juste de faire ça, et après une fois qu'on prend la couleur blanche plus ces blocs, là tout ça, on vous expliquera un peu plus en détail après, il y a des sortes de... Bon, on fera une vidéo à mon avis spéciale là-dessus, là, c'était juste pour montrer un peu ce que Vibe a testé, parce que j'ai pas touché à ça. En tout cas ça marche pour l'instant. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va affronter les pirates. C'est pour ça qu'on a l'inventaire vide, parce qu'on va se fighter. Et c'est pour ça qu'on a qu'un seul chip score, parce que au cas où... Moi j'en ai trois. Hop. Pour la base, mais là, on n'a pas trop avancé, je crois. C'est... Au dernier épisode, c'était à peu près pareil. Ouais, à la base, non, on n'a pas super avancé. On a complété un peu nous, mais on est pas... c'est vrai qu'on n'a pas passé beaucoup de temps dessus. On se le cachera pas. Donc Vibe a un nouveau vaisseau. Ouais. Parce que en fait, je vais vous expliquer. On s'est amusé à se faire une petite bataille, lui et moi. Moi, j'avais sauvegardé mon vaisseau, donc mon vaisseau a été explosé. Ensuite, j'ai explosé son vaisseau. Sauf que le mien a été sauvegardé, donc je me le suis racheté juste après. Et lui entre temps, il y a eu une mise à jour. Et du coup, son vaisseau a été carrément supprimé. Donc du coup, pour cette mission exceptionnellement, ouais, il a téléchargé un vaisseau spécial, enfin, vas-y, je te laisse expliquer, c'est un vaisseau de base, etc. Ouais, c'est les vaisseaux pirates d'une ancienne version d'une mise à jour, donc je l'avais sauvegardé un peu modifié, et puis voilà. Donc voilà, c'est pas un gros vaisseau super cher, super amélioré, non, c'est un vaisseau tout petit, il doit être équivalent au mien, sauf que lui, il a rajouté des boucliers un peu à l'arrache de partout. Moi, ouais, c'est vraiment à l'arrache, ouais. Donc je risque d'y laisser ma peau. Et moi aussi. Voilà. Donc et allez hop, fly mode. Et juste un truc, on s'est pas renseigné, mais je crois que la mise à jour corrige juste des bugs. Hein. Je suis pas sûr, mais ce que j'ai pu voir. Donc, pas très important qu'on vous explique tout ça. Et aussi, on va finir avec un petit bonus parce qu'on a écouté les commentaires sur la vidéo de Monsieur Taek. T'es derrière moi parce que je peux. Ah c'est bon. Et on vous fera un petit bonus. T'es où mon cher Taek? Je t'ai pas du. Je suis... Attends, je te rejoins mec. Bouge pas. Attends, je vais mettre un weapon sur toi. Je suis là, comment on fait pour mettre un weapon sur quelqu'un? Bah, tu vas dans navigation, tu prends mon vaisseau et... Ah ouais, Other Chip Pirate. Ouais. Bah, Nico. Et je fais quoi? Et bah, tu cliques dessus, ça va mettre en blanc. Moi, il écrit pas forcément grand-chose. Hein. Vous allez voir l'argent qu'on va se faire. Hein. Il n'aura pas besoin. Ouais. Attends, ship, mob. Non, il y a plein de mobs. Pirate. Ah, ship pirate. C'est des fois quand... Moi, j'en ai vu plein, mais ils sont vers un... En fait, t'es vers où, là? Quel secteur, à peu près? Moi, je suis au secteur 8, 14, 5. Ship, station, c'est bon, je l'ai. Il y en a deux, même. Ah, nickel. Fren! Nya!
Et où mon vaisseau? N. Other Station, on va prendre celle-là. Donc il y en a deux, au pire on fera les deux. Qui est juste au-dessus. 4 km à pied. À pied. Ça use les souliers. 1 km à pied. Ça use. Ça use. 1 km à pied. Ça use les souliers. Oh yeah. C'est un peu trop foncé. Donc c'est bon, il nous a rejoint. On est passé en dessous. Donc je vous préviens, la scène qui suit sera que du what the fuck, ok? Ouais, exactement. Ouais. C'est parti. Donc on est en dessous. Déjà, je vois que la tech t'a lancé un gros missile déjà. Non, j'ai rien lancé encore moi. Ah, bah j'ai vu un gros missile partir. Faut que je tire où, mec? Sur les côtés? Non, faut tirer bien en dessous. Attends, je te tire sur les toits. Attends, en attendant. Wow. Wow. Ils font trop mal. Ah ouais, bah ouais, ceux-là ils sont mal, ils font mal, je suis mort. Bon putain. T'es mort? Ouais. Non, mec, non! 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 Seul, faut que tu tires en bas. Et je me suis fait one shot. Je comprends pas. Non, moi, mais j'arrive tranquille, quoi. Il va falloir sortir l'artillerie lourde, je pense. Attends, je vais arriver avec un... Mec, j'ai plus qu'un seul canon, là. Je prends trop cher. Oh là, je back. Ouais. Ils veulent jouer à ça. Ouf. Ouh, on va se calmer. On va se mettre là. Et on va regarder un peu les dégâts. Hein. Alors, R. Ok, je n'ai plus de vaisseau. Sérieux? Clairement, mon vaisseau est juste explosé. Tu fais quoi? Tu nous ramènes un gros vaisseau? Ouais, un petit truc. Ouais. Ou on peut rentrer à deux dedans? Ouais. La dernière fois, on y était avec quoi? Parce qu'on on a déjà fait une de base. On n'avait même pas un gros vaisseau, hein. C'est qu'on a eu de la chance. C'est qu'en fait, dès que tu t'approches près, bah ils peuvent pas te tirer les toiles, enfin moi. Mais là on a pris trop de temps avant de... Bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre qu'il revienne avec un gros vaisseau et on va monter dans son gros vaisseau et on va garder le mien sur le côté pour le moment pour faire le petit bonus qu'on voulait faire après. A tout de suite. A tout de suite. On a sorti la grosse artillerie. La très grosse on va dire. Voilà, le vaisseau nous a coûté 1 million, donc on va y aller de suite, go. Ouais, je te dis en train de tirer, je te prépare. Alors moi je peux pas voir ce qui se passe, parce que je suis en mode passager si on veut. Ouais. Oh mec, c'est en train de devenir bien rouge là. Vas-y avance. What? Je suis mort. Je crois qu'en fait on est tombé, c'est pas une station de pirate normale en fait. J'ai une quoi alors? C'est une ultra hard, parce que t'as vu, enfin c'est pas possible. Bon bah nous venons tout simplement de nous faire exploser la gueule. Je crois qu'on va acheter le vaisseau à 3 millions, le Orion, non? Ça va être réglé l'histoire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, se racheter des vaisseaux juste spécialement pour cet épisode. Dans l'épisode prochain, on se craftera des vaisseaux nous. Mais là... Ah ouais, j'ai 6 millions. Vas-y, on se prend l'Orion, là, ça va être... Donc on va se prendre un gros vaisseau et on revient de suite après pour les éclater. On va arrêter là le massacre. Parce que à vrai dire, nous nous sommes fait éclater avec un gros vaisseau quand même. Ouais, on avait un vaisseau d'un million. Je sais pas ce que c'est, si c'est une mise à jour, si c'est des bases pirates qui seront ultra puissantes, dites-le nous dans les commentaires. Voilà, moi je rachète mon vaisseau parce qu'il s'est fait juste éclater. Demandez que je laisse annoncer à Vibe. Parce que autant finir l'épisode sur un peu du what the fuck parce qu'on s'est fait juste éclater par des pirates. Donc ça sera vraiment... Désolé, il n'y a pas beaucoup de contenu dans celui-là, mais on s'est fait violer, ça on peut le dire. Je vous, bien comme il faut, on va dire. Voilà, comme on s'est fait violer, bah on a envie de faire ce que vous nous avez demandé dans les commentaires, qui a d'ailleurs été pas mal liké, je crois, d'ailleurs. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui l'ont dit aussi. Donc on va le faire. Donc Vibe, je te dis, laisse dire, qu'est-ce que c'est? On va aller à la source lumineuse la plus puissante... La plus chaude du monde. L'hiver. Non, on va aller au soleil. On va voir ce que ça donne, parce que même moi j'ai jamais été. Donc, j'ai hâte. La lumière quoi. Ouais. Feu! Mais au cas où, 888 quoi. Belken! C'est parti. Non! C'est bon? Ouais. C'est pas... J'ai même pas les de faction. Bon, c'est pas alors attends, moi de toute façon il va exploser notre vaisseau. Il est à balle. Ouais, mais c'est bon, tu vois. 888 comme ça.
On fait un truc, le premier qui arrive au soleil gagne. Vas-y, attends. Le gars qui dit attends. C'est bon c'est... Non. Attends, chat. T'es où là. On le tue en face du soleil. Ouais, justement. Je me recale. Vas-y, je te laisse 10 secondes. 10, 9, 8. C'est bon. 7. T'as combien de kilomètres? J'ai 10 secondes. 10 secondes pour avancer, hein. C'est bon, t'avances encore? T'as combien de kilomètres, toi? Ah, mais tu l'as mis 888? Ouais. Alors. Oh, allez, je me suis foutu pour toi, mon gars. Espace 8. Espace 8. Je sais plus, ça a été virgule ou pas? Ah, ouais, c'est des virgules. Virgule, espace. Virgule, espace 8. Mais mon gars, il me reste plus que 4 kilomètres, hein. Je t'attends à 3 km. Non mais mec c'est bon je fonce hein. Et genre tu fonces. Donc on sait pas trop à quoi s'attendre. Ouais. Bah même. Ça se trouve il y a une planète, des trucs cachés, tu sais, on sait pas. Ça se trouve il y a des mineurs. Attends, je vais lancer deux petits missiles. Et ça se trouve, ouais, est-ce qu'on peut l'exploser? Ça peut être bien. Vas-y missile, fonce. Moi je suis à 4 km déjà. Hein. Regarde là je te fume mec, je passe. Ouais mais je t'attendais pour te voir. En fait je vais devoir te désintégrer avant moi. Vu que t'es un petit vaisseau. Ah, il fait warning. Warning, 1,5 km, 1,3 km, 1,8 km. Allez, c'est parti, 800. Les gars, on fonce. Ah, j'ai hâte de voir. What? Oh, mec. Y'a quoi? Je sais pas. C'est beau. Mon vaisseau, il se désintègre. Je suis dans un trou noir. C'est un truc de fou. Oh, je l'ai traversé, mec. Je suis encore en vie. Wow. Oh, mais c'est un trou noir. Ouais. Ah, regarde ton vaisseau, il se désintègre petit à petit. Wow. Oh. Chut. Alors on va s'arrêter là. On va regarder l'état de mon vaisseau. Ah, c'est trop bien, attends, moi j'y retourne. Oh regarde, attends. Oh l'état de mon vaisseau, mec. Voilà ce que ça fait d'aller dans le soleil. Alors j'ai survécu, mais j'ai juste plus de vaisseau, mec. Y'a plus du tout de vaisseau. C'est sérieux, ton vaisseau il est. Alors attends, il est où le. Il est presque en tête, hein. Elle est où, Jeanne? Il est où le soleil? Et mon vaisseau, on y retourne. Il est intact. C'est parti. Il est intact. Feu. Tu y allais, toi? Ouais, mais il est intact. Le t'es mec. Mort? Non, intact. Go! Et on va voir ce que ça fait et on freine. Wow! Je suis mort. Et toi? Toujours vivant. Mais il est nickel, mon vaisseau. Il est nickel. Ouais bah attends, j'ai pas les boucliers de pédale. Hein. Bah moi je me suis fait éclater mon vaisseau, je suis mort. Et donc bon bah on sait que ça nous amène dans une sorte de trou noir ouais, bizarre. Ouais, hein. Je vais rester un peu, je me sens. C'est pas. Donc, je respawn je sais pas où. Il fait tout noir. Ouais, mais c'est ah bah trop je vois. Beau. Franchement c'est trop beau. Ouais c'était vraiment. Attends je vais essayer de sortir mon gars. Je vais me caler bien pile à l'intérieur. Là je suis pile poil à l'intérieur. R. Bah, je suis là, mec. Eh, c'est trop bien à l'intérieur. T'es mort? Bah, non. T'es dans le soleil et t'es ouais, pas mort? Dans le soleil, là, mon gars. Et t'es pas mort? Non. Et ça tue pas? Bah, non. What? Tu verras, je suis trop bien. Bon, bah. Attends. Bah, je pense qu'on peut finir là-dessus, hein. Ah, mais c'est trop, ouais, trop psychédélique. Mon vaisseau, il est niqué. On sait que maintenant, Yann. Il est en train de se niquer, non, petit à petit. Bah, même pas. Je sais pas plus. Bon, bah, ouais, il avait plus de voilà, il avait plus de boucliers, je crois, hein, donc c'est pas ma faute. Bref, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. On sait ouais, que maintenant, dans le soleil, il y a de la merde. Enfin, il fait beau et il fait chaud. Ouais, il fait beau, il fait chaud. Bah, bon, Vibe, je te laisse finir, tiens. Ouais, bah, donc, pour le prochain épisode, on sait pas encore, on sait pas. Vibe trop. Ouais. Je te laisse finir. Ouais bah pour le prochain épisode donc on sait pas encore ce qu'on va vraiment faire. Mais on va peut-être aborder les factories. Construire un vaisseau parce que pas mal de gens nous ont demandé aussi. Bah après on nous demande de faire carrément les vaisseaux Star Wars qui font 10 km de long. Ça va être un peu dur. Ouais ça va être un peu dur donc on verra. On va essayer de faire voilà. Tout sympa quoi si on a une ouais. Idée. C'était un peu un épisode what the fuck on va dire. Donc beaucoup de fails dans cet épisode hein. J'avoue, sur ouais. Ce, bye bye. Bye bye. Ciao tout le monde. Ah, oh, il se passe des trucs bizarres quand tu vas sur le soleil. J'avoue. Non mais ça fait trop d'efforts, des fois on dirait un singe.